Aujourd'hui, de nouvelles astuces pour réduire mes déchets dans la cuisine. Pour commencer, j'utilise des serviettes en tissu pour le repas et également des essuie-tout lavables en tissu avec un côté absorbant et un côté pour essuyer. Ils sont très faciles à réaliser vous-même avec des chutes de tissu que vous avez à la maison. Ensuite, je les mets dans ma machine à laver avec le linge de maison. Vous pouvez fabriquer vous-même des petites éponges abrasives en cousant ensemble des morceaux de filets, de fruits ou de légumes. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle un tawashi. C'est une éponge réalisée à partir de chutes de tissu, t-shirt, chaussettes. Pour cela, vous utilisez le cadre à tawashi. Vous retrouverez des tutos sur internet. L'éponge est prête à être utilisée. Je vous propose maintenant la recette de produits vaisselle de Céline. Dans une bouteille, je verse 1 litre d'eau bouillante. Ensuite, je verse 4 cuillères à soupe de savon noir liquide. Je laisse refroidir le mélange. Ensuite, j'ajoute 1 cuillère à soupe de vinaigre d'agrumes et 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Je ferme la bouteille, je mélange et c'est prêt. Je mets le produit vaisselle dans un spray pour que ce soit plus facile à utiliser. Je vaporise sur le tawashi et je fais ma vaisselle. À bientôt pour de nouvelles astuces!